Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma routine manucure, ou plutôt comment je fais pour appliquer mon vernis correctement, et je vais vous donner aussi quelques conseils pour le garder plus longtemps. Alors on va passer l'étape où on enlève le vernis au dissolvant et où on se lime les ongles, parce que ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, dont je vous mets le lien en haut à droite dans le petit i. Donc je commence par appliquer de l'alcool sur mes ongles pour enlever tous les résidus gras comme le dissolvant ou la crème hydratante. Et ensuite j'applique le durcisseur Mavala Scientifique, donc sur la moitié de mes ongles comme c'est écrit sur la notice. Il ne marche pas très bien mais bon j'en mets parce que j'en ai. Ensuite, l'étape indispensable, on applique une base. Ça permet de protéger ses ongles contre les pigments qu'on trouve dans les vernis de couleur. Ensuite, je repasse un coton avec de l'alcool parce qu'entre-temps, j'avais mis de la crème sur mes ongles, donc du coup, c'était devenu gras. Alors maintenant, l'étape la plus importante, l'application du vernis. Donc du coup, je fais en deux couches généralement. La première couche est très fine et je prends vraiment mon temps. Et surtout, ne pas mettre de vernis sur les cuticules parce que alors c'est une catastrophe à enlever et après ça ressemble plus à rien. Moi, je commence en mettant un coup de pinceau au centre de l'ongle et après j'étire sur les côtés et j'étale le vernis pour que la couche soit uniforme. Une fois la première couche appliquée, je laisse sécher un bon moment. Et je repars pour une deuxième couche. Donc cette fois-ci, je prends un peu plus de vernis, histoire que ce soit bien épais et qu'on ne voit pas à travers mon ongle. Ensuite, je prends un pinceau biseauté, mais je pense qu'un pinceau plat fait aussi l'affaire, et je le trempe dans le dissolvant. Et ensuite, je nettoie les contours, histoire que ce soit bien aligné, bien arrondi, et que ça épouse bien la forme de l'ongle. Ensuite, je laisse sécher un sacré moment histoire de ne pas gâcher tout le travail en appliquant mon top coat. Donc c'est pareil, le top coat c'est aussi indispensable que la base, ça permet de rendre le vernis beaucoup plus brillant et surtout de le protéger et de le garder assez longtemps. Donc j'applique une couche assez épaisse et surtout je n'oublie pas de faire le bord de l'ongle, ça va permettre de le protéger des coups pour éviter que le vernis s'en aille au bout des ongles. Et surtout de le protéger aussi de l'eau parce que l'eau fragilise les ongles, les rend plus mous et donc ça enlève le vernis. Et si je peux vous donner un conseil, quand vous faites le ménage ou la vaisselle, essayez de toujours utiliser des gants en plastique et vous verrez que vous garderez votre vernis beaucoup plus longtemps. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé parce que avoir du vernis c'est beau, mais quand il est bien appliqué c'est encore mieux. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.